stylé le fait avec les lumières et tout là. Sur Dwight, avec son skin en plus, regardez, regardez, c'est stylé, non? Oh putain, c'est pinade. Je vais m'occuper de son cube. Je vais gérer le cube durant toute la game. Ah, il se dirige droit vers le cube. Pas d'intérêt d'utiliser ton truc là. Putain, attends, mais comment tu sais que je suis là, mec? Mec, il a un sixième sens, je te jure! Bah, c'est rapide! Salut Raskas, merci beaucoup pour les 5 mois, c'est hallucinant, tu sais! Tu laisses aucune trace d'empreinte sur une certaine distance, et il sait précisément où tu es, quoi. Incroyable! Waouh! Ok, on a quelqu'un qui part gérer le cube. Ou pas. Je la sens pas cette game. Ouais, de toute façon, en pinhead en vrai, avec 4 PU, c'est mort. Pardon, comment il sait? Il est trop fort. Il est trop fort. On est tombé sur un tryhard de l'espace. Pense à prendre une clé sur Instant Gaming, elle part vite. Ce matin, j'ai pris la mienne et là, ils disent qu'il reste peu de stock. Je vais attendre avant de prendre. Parce qu'en fait, parfois, ça peut arriver que la clé soit disponible que 24 heures après, tu sais. Et du coup, moi, j'ai envie de jouer au jeu demain. Donc avant de la commander, je vais... comme je veux vraiment jouer, tu vois, demain. Si par exemple, j'ai la clé que demain soir, ça ira pas. Donc je vais attendre un petit peu avant de la prendre. Il est trop dur ce tueur, j'arrive jamais à m'enfuir avec ce tueur. Bah c'est un tueur qui est vachement... What? Faut pas qu'il soit très dur à contrer en vrai en soi. Tu vois, regarde. Son anti-loop il est un peu éclataxe je trouve. Va casser. Ouais, en vrai, non, moi je trouve pas qu'il soit. Je trouve que c'est un tueur qui est pas très très fort en vrai. Le petit fast vault, nickel. Non, ces loops là, quand même, je trouve qu'ils sont abusés. Putain, tu vois vraiment le tueur et tout. Cette map elle est horrible en vrai quand tu joues tueur. T'as un visu incroyable sur le tueur, franchement, c'est insane. Fast vault, discret. Ah pareil, du coup là ça sert à rien. Même pas besoin de baisser. Oh putain, bien joué mec. Faut casser hein, t'as pas le choix. On va changer de spot. Raté. Regarde, il y a une palette là, il y a une palette là. Cette map elle est insane. Cette map il faudrait qu'il nerfe un peu la force de la map parce que c'est abusé. Tous les spots, vraiment tu peux voir le tueur du coup sur tous les spots où t'es. Et en plus de ça, regardez le nombre de palettes qu'il y a, c'est un délire. Franchement, cette map, quand tu tombes dessus en tueur, si tu te fais rouler dessus, c'est normal. Je suis désolé, mais c'est juste abusé, quoi. C'est juste abusé, c'est insane. Donc ouais, Pinhead, ouais, non, je trouve pas que ce soit très très fort, en vrai. Y a beaucoup de personnes qui disent que c'est fort, mais en soi, je trouve que c'est super dur à gérer. L'anti-loop, il est pas très fort. Tu dois passer une partie de ta game à essayer de trouver ton cube, mais c'est super dur. Parce que du coup, tu dois te concentrer donc sur la défense de tes générateurs, choper les survivants,
Et en même temps essayer de trouver ton cube. Franchement c'est un délire. On dirait qu'il a aimé. Ah, je te jure, on dirait qu'il a aimé. Incroyable. Il y a juste la poisson qui prend du plaisir à se manger des palettes, notre ami là. Faut que j'arrête, putain, c'est pas possible. Oh putain, c'est pas vrai. Aïe aïe aïe. Raté mon pote, désolé. Vas-y putain. Je suis ravagé, c'est pas vrai. Oh putain, je te jure, c'est pas vrai. Salut Mathef, ça va, ça roule ou quoi? Tu vas bien? Le fantasme de la palette, oh mais c'est ça, je te jure. Il faut que je casse les totems. Il y a quelqu'un qui a récupéré le cube. Ok, nickel. Je vais pouvoir casser mon totem. You summoned me. I came. Non, il vient pas. Il va faire la pub. I came. Ah, voilà, incroyable, il est là. Il va faire la pub Charal. Charal. Ah, avec sa voix et tout, ça rendrait bien. Je te jure, la voix de Pined qui dit Charal. Quel troll. Ça va, Jean-Fils, ça roule ou quoi? Tu vas bien? DBD, BDSM, putain, au secours. Attends, il a été accroché où là? Il reste plus qu'un générateur à gérer. Tu as les skins de l'attaque titan? Non. Vas-y, je te soigne. Ça serait bien que Michaela prenne du coup une chaise, ça serait cool en vrai. Elle a jamais été accrochée. I came. Merci bro, ta bonne humeur. Merci à toi, merci le roi Saturn. Merci d'être là poulet, merci d'être sur le stream, merci de ton soutien. Bon, Pined, tu es où dis-moi? Hein? J'ai des trucs à te dire s'il te plaît. On lui a mis deux fronts, on lui a mis deux de front. Oh, 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 c'est dommage. Non, il vient pas. Tu viens voir l'homme casier? Viens voir l'homme casier. Il veut pas. Oh, je crois qu'il va trouver son cube. Non, 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 non. Ah, il a trouvé. Il a trouvé son cube. Ça va faire mal, ça va faire mal. Oh putain! Même là, ça sert à rien son truc, c'est incroyable. Non, 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 non! Pourquoi t'es rentré dans le casier doucement comme ça? Pourquoi t'as fait ça, Dwight? Il devrait mettre un en commande. Ah mais ouais, il est maso, Pined. En même temps, vu son style, bon, on peut pas lui en vouloir, hein, c'est... The box. You opened it. Ouda, merci pour tes 13 mois. I came. Merci. I came. Encore. Ah putain. Au moins on est sûr de ce qu'il veut. Bon les gars, sans déconner, hein. Il faut réparer des... Mais va, mais prends la gros putain, Michaela, s'il te plaît. Regarde, on a perdu le commandant Tap là, c'est pas vrai. On a perdu l'inspecteur Tap, c'est terrible. C'est pas possible. Ouda, je t'ai pas remercié. Merci infiniment. Merci pour tes 13 mois d'abonnement. J'étais en vacances. Alors attends, je vais juste
me mettre sur un générateur. Ah bah t'as le générateur qui va te tomber, incroyable. J'étais en vacances à la belle île, j'ai vu un béret et incroyable, j'ai entendu un mec dire oh, comme celui de Varg. Mais non, mais sérieux? Mais c'est incroyable! Mais non! Putain, mais le monde est petit en vrai! Incroyable! Non, mais sérieux, c'est insane! T'étais à Belle-Île en mer du coup! Tu vois un béret et t'entends un mec dire oh, comme celui de Varg! Mais c'est ouf! Putain, le monde est petit, Ouda! C'est insane! Incroyable! En vrai, t'aurais dû prendre une photo, tu verrais! L'année prochaine, si jamais. Enfin, pas l'année prochaine, mais si un de ces quatre, je vais sur Belly en vrai. J'irai dans la boutique voir à quoi il ressemble. Parce qu'en vrai, je galère à trouver des verrets comme ça, tu vois. Vraiment, c'est une galère. Là, je les achète aux États-Unis. Parce qu'ils en font plus du coup en Irlande. Malheureusement, ils en font plus en Irlande, donc du coup, je suis obligé d'acheter les bérets aux États-Unis et ça me coûte une blinde. Ça me coûte un bras. Genre, c'est 50 balles le béret. Le béret coûte 15 euros, mais après, t'as 20 euros de frais de port et t'as 15 euros de douane, de taxes, etc. quoi. Le béret de la fortune, je te jure. 15 balles, mais t'as 35 euros en plus à payer là pour tous les frais, c'est un délire. Bon, la game était très drôle en vrai. Stéphane, I came.